C'est un lieu emblématique parce que ça a été une maternité depuis la fin du 19e siècle, je crois, jusque 2013. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de naissances à passer par là. Donc je pense qu'il y a un rapport forcément personnel avec ce lieu-là. Et aussi parce que c'est une vieille bâtisse, mais du coup, elle a vu passer aussi plein de différents temps aussi liés à la médecine, que ce soit l'accès à l'IVG, la conservation des œufs, ce genre de choses, c'était des améliorations médicales, mais qui ont forcément eu un impact social aussi sur le reste de la vie, quoi. Ça a été le premier grand hôpital de Rennes lorsque celui qui était du côté des quais, vers l'ancienne office du tourisme, est devenu un peu trop insalubre pour que ça devienne un hôpital. J'ai un peu découvert vraiment le lieu avec le projet et voilà, effectivement, je me rends bien compte que c'est un lieu qui est plein d'émotions, plein d'affects pour beaucoup de gens, pour plein de raisons différentes. Dans la fréquentation, on a vu un public très mixte, fréquenter le lieu, un public très large aussi, et c'est vraiment pour moi à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que représentait l'Hôtel-Dieu pour les Rennais. Dans le cadre de l'agrandissement de l'hôpital Sud, le CHU a décidé de vendre ses bâtiments. En 2016, du coup, il y a eu le lancement d'un AMI qui a été porté conjointement entre le CHU et la ville de Rennes. Donc une sorte d'appel à projet pour une réhabilitation de lieux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a répondu à cet appel en lien avec un opérateur immobilier qui s'appelle Link City, en proposant un projet en deux phases. Une phase d'ouverture éphémère sur 3 ans, le temps des phasages de travaux, et une phase définitive qui commencera en 2023. Avec mon collègue Manuel, du coup, on avait envie de faire quelque chose autour de l'escalade, de créer notre propre salle de grimpe, en gros, avec d'autres choses à côté. On avait vraiment envie qu'il y ait un volet culturel, qu'il y ait aussi quelque chose autour de la restauration. Et on a fini par recréer ce projet-là avec d'autres personnes qui nous ont rejoints. En fait, on s'est tous retrouvés mutuellement à un moment donné pour pouvoir vraiment relancer le projet, quoi. Sur notre projet éphémère, on n'avait pas envie de rajouter une programmation culturelle sur Rennes, mais c'est plutôt les lieux qui manquent. Et les envies sont déjà présentes pour pouvoir justement investir tous les différents lieux. Et du coup, on avait plutôt envie d'ouvrir nos portes, de permettre un accès à ces assos ou à ces initiatives sur des espaces qui sont contraints, mais qui offrent aussi pas mal de possibilités. Et du coup, de pouvoir plutôt nourrir le tissu associatif qui était déjà présent. Plutôt que de rajouter une offre supplémentaire. On propose une mise à disposition gratuite de nos locaux. On n'a pas de ligne éditoriale précise. À partir du moment où le projet tient la route et qu'il est raccord aussi avec nos valeurs, tout est un peu possible. On peut accueillir des compagnies de chant en résidence, on peut accueillir une exposition de micro-édition ou alors des concerts ou des temps de performance. C'est très, très, très riche. Depuis plusieurs années, avec mon pote d'enfance, qui est maintenant mon associé, Benoît, de la microbrasserie, on cherchait un lieu pour créer une sorte de brew-pub à la française. Nous, on avait vraiment envie d'associer une microbrasserie et un bistrot, où on mange bien, on mange sain. Clairement, nous, on a investi un lieu qui est historique, pour une durée courte. La cuisine, elle est venue s'implanter dans l'ancienne pharmacie. Et pour nous, ça change tout, quoi. On n'a pas un outil de travail qui est très normé, même si il est totalement énorme, mais il n'a pas été fait pour être ici. Du coup, nous, vraiment, les valeurs qu'on a envie de porter avec ce projet-là, c'est la localité, la propreté écologique. Et avec la cuisine, clairement, c'est des choses qu'on peut vraiment porter, quoi. C'est, on peut vraiment faire bosser des gens dans un bassin d'emploi très local, entre guillemets, subventionner une agriculture qui est propre, en achetant au vrai prix les légumes, en achetant au vrai prix la viande, en achetant au vrai prix le poisson. Et clairement, on le sait tous que manger et aller au restaurant, c'est aussi voter et on vote 3 fois par jour, quoi.
très attaché à proposer des produits de qualité. Tous les fournisseurs de matières premières en cuisine sont des produits principalement locaux, bio, etc. Moi, j'applique la même politique dans la brasserie. C'est un peu plus compliqué parce que l'offre est plus restreinte. Mais dès que je peux obtenir des produits bio et locaux, je joue ce jeu-là. C'est en ce qui me concerne la traduction du bien-être que je peux proposer. C'est vraiment sur la qualité de ce qu'on fait, sur l'amour que nous-mêmes on peut apporter dans notre travail. Et je suis assez convaincu que ça se ressent toujours de toute façon pour le consommateur final. Le retour positif des clients, on le sent sur la fréquentation. Moi, en ce qui me concerne, sur mon métier, c'est la rapidité à laquelle les bières maison peuvent disparaître. En fait, on est très souvent à court de produits, ce qui traduit le succès. Donc pour moi, c'est très flatteur. Il y a une frustration de ne pas pouvoir fournir suffisamment, mais il y a ce ressenti-là. Et puis, on le sent par le plaisir qu'ont l'air de prendre les consommateurs ici dans cet espace. C'est à la fois le lieu qui est agréable, l'atmosphère, l'ambiance et ce qu'on propose à la consommation, quoi, que ce soit ici au bar ou au restaurant. C'est comme ça qu'on prend les choses. Je m'occupe de toute la partie sportive du lieu, donc il y a de l'escalade, mais ça rentre aussi la slackline, ainsi que le yoga, le shiatsu, les soins énergétiques, tout ce qu'on propose du domaine sportif ou du bien-être. La grimpe ici à l'Hôtel Dieu, ça, pour moi, ça fonctionne bien dans le sens où c'est une activité relativement conviviale, notamment en escalade de bloc, donc où tout le monde peut se filer un coup de main, on n'est pas attaché par des cordes et on est tous au sol à pouvoir rapidement échanger. Donc ça se goupille bien, on va dire, dans ce projet-là, puisque justement ça fait vraiment la part belle à l'échange. À The Roof, du coup, on a trois salles d'escalade. Une salle qui est dédiée aux plus petits, donc ça fonctionne à partir de 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 8 ans. Donc ça, c'est vraiment un espace dédié, qui est sécurisé, qui a été vraiment construit pour les enfants et les parents. Et on a deux autres salles de grimpe qui sont pour les adultes, avec une salle qui est en plein air et une grande salle du coup, dans laquelle on est ici, qui du coup, est à destination des adultes, quel que soit leur niveau. Donc on accueille des publics complètement débutants, des publics hyper confirmés, des gros compétiteurs. Et le but du jeu, c'est de pouvoir leur proposer une escalade ludique, intéressante, qui leur apprend des choses. Et donc on renouvelle constamment, tout le temps, les parcours pour que personne ne s'ennuie jamais. D'avoir ces 3 ans d'espace éphémère qui ensuite aura une version plus durable, ça permet aussi de pouvoir se questionner un peu au fur et à mesure, de pouvoir reprendre cette expérimentation et du coup de pouvoir voir ce qu'on pourrait améliorer, changer. Donc d'avoir une idée très précise, non, mais en tout cas plein de petites idées qui se mettent au bout petit à petit, quoi. On a aussi créé beaucoup d'emplois. Il nous tient à cœur de préserver notamment tout ce qui a été créé. Donc du coup, oui, on a vocation à faire perdurer ce lieu ailleurs, c'est sûr, mais j'espère pas trop loin. En gros, la ville de Rennes est toujours contente de voir qu'il y ait ces lieux emblématiques qui font partie du patrimoine rennais, qui continuent à vivre, qui soient un lieu de vie, un lieu de destination. Et qui puisse aussi faire vivre ce tissu associatif existant. Donc là-dessus, ouais, ça se passe bien.